Hello à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec ma chère Wafa, que je vous ai présentée dans la nouvelle vidéo, puisque match de ouf, trop belle affiche que je voulais absolument pas manquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du Maroc et qui me suivent et qui me disent à chaque fois: Sam, tu parles jamais du Maroc, etc. Mais les gars, on est là, on va représenter aujourd'hui, on va soutenir le Maroc, hein, Wafa, quand même. Ah bah oui, on est là pour ça. On hier, est là pour ça. Tunisie. Ouais, j'ai pas pu venir hier, j'étais malade, les amis, mais là ça va mieux. Ça y est, j'ai repris du poil de la bête, comme on dit. Et direction le stade de El Bayt, comme la dernière fois, le stade qui ressemble à une grande tente. Donc rendez-vous au stade pour cette belle ambiance. Je pense que les Marocains, ils vont mettre le feu comme les Tunisiens hier. Trop hâte de voir ça, on vous emmène, vous êtes prêts? Yalla. Ouais, la dernière fois c'était le bon plan de venir en taxi parce que tout le monde venait en voiture, il y avait un bouchon de fou, mais là c'est l'inverse, tout le monde a eu la même idée. Donc on finit à pied et j'ai trop peur qu'on rate l'hymne parce que c'est dans 10 minutes. Et regardez le là-bas. Est-ce qu'on va le faire? On va voir. Ah bon, c'est le coup d'envoi, on a raté les hymnes, relou, ouais, mais ils ont encore fermé un passage, donc il fallait faire tout le tour, c'est pas grave, en tout cas, on sera là pour les premières minutes du match. On a encore été retardé à cause de ce fameux drapeau français, lui qui a marqué, fier d'être bleu. Ils comprennent pas, donc ils ont été obligés de checker, ça voulait dire quoi et tout, laisse tomber. Attends, il est quelle heure là? Bon, ça a commencé il y a 4 minutes, ça va. Thank you.
Goal, goal. On est là pour un mois et le mois va être complètement ouf.